Ah mais toi aussi tu joues trois FIFA gros, je sais pas. Révise. Bah, j'avoue. Vous savez Karim, il a une sale note, les gens ils croient qu'ils bossent pas. T'as un problème avec les pères, toi, s'ils croient, faut les croire. Ça y est, toi t'as eu un 15 ans français, tu te prends pour un intellectuel. Aucun rapport, tu sais pas, l'avenir fait gaffe quoi. Ah c'est bon, je sais que c'est l'air de croire. Y'a un tact, sache que c'est pas froid. Et attends, regarde, y'a chez le triso là-bas. Vas-y, c'est toi le triso, vas-y, assure-toi du sac à skate gros. Vas-y, t'inquiète, je le prends. T'as déjà un appel. Allô? Oui. Oui, moi? Oui, ça va. Ah non, je peux pas, je vais faire un FIFA ce soir avec David. Non, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, ok, ça marche. Y'a pas de si, je passerai direct. Ah, bisous. Vas-y, mange, je raccroche, y'a le bus. Bisous. I'm gonna keep our love locked so tight. I'll be holding it hostage, hostage. You wrote you a letter in the middle of the night. It got lost in the postage, postage. Il est con, Chamallow. À chaque fois, il dit rien que je lui pique sa casquette. Et il va où à chaque fois, sérieux? Je me pose trop la question. Je sais pas, il doit bosser. Tu rigoles ou quoi? Il s'est enfermé dans les hôpitaux à jouer et à dessiner toute la journée. Des vrais gogoles. Hey, oublie pas ce soir, hein. Soirée PlayStation, y'a pas les parents, t'es chaud? Non, c'est chaud, y'a ma soeur qui est arrivée ce matin. Je vais la voir directement, là. T'abuses, mec, tu m'avais dit que t'avais rien tout à l'heure. Ouais, mais viens. Tout à l'heure, à l'arrêt de bus, ma mère m'a appelé. Tu déconnes, mec, y'aura du monde. Non, c'est chaud, franchement, David. Tu fais encore le lover? Qu'est-ce que tu racontes, là? Vas-y, invite ton pote Chamallow, là. Moi, je veux voir ma soeur et mon neveu. Attends, c'est notre arrêt. I'm gonna keep our love locked so tight. I'll be holding it hostage, hostage. You wrote you a letter in the middle of the night. It got lost in the postage, postage. You are something so familiar I can't shake. A promise that was made but I can't make. I know that you are not ashamed, and I'm the one to blame. Yo Alex, ça va? Ça va. Et t'as déconné les mecs hier, fallait venir. Ouais, pourquoi? Hier, les gars sur FIFA, je les ai explosés. Hé hey Alex, ça va? Ouais, t'inquiète. Hey, t'es vraiment bizarre, hein. Hier, je t'ai appelé au moins 10 fois, t'as pas décroché. Je te l'ai dit, j'étais avec ma soeur. Je te l'ai dit, David. Eh hey, putain, Chamallow, t'as rendez-vous avec Kylian comme toi ou quoi? Eh ouais! Ah, le beau gosse! Eh ouais! Ah, c'est du sérieux, là. T'as vu ça, Alex? Et depuis quand tu dis rien, là? C'est devenu ton pote ou quoi? Bref, y'a le bus. Putain, mec, t'es chelou. Ah, je suis un peu fatigué. Grave, ça se voit. Eh, regarde, j'ai piqué la casquette à Chamallow. Dis bien ça, là. Non, mais sérieux, mec, t'es bizarre, là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus avec ta meuf ou quoi? Vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. Keep our love locked so tight. I'll be holding it a hostage, a hostage. Hey. Ça va? Ça va. Tu rimes de ses têtes. Tu trouves? Tu savais pas que je venais? Ah non, d'ailleurs j'avais un truc de prévu avec mes potes. Bonjour mon chéri, t'as passé une bonne journée? Ouais. Oh le beau gosse. D'ailleurs, il est pas là, Bastien? Oui, il arrive après. Vous faites une de ses têtes. Alex, il faut qu'on dise quelque chose. Je vais lui dire, maman.
tu veux me dire? Enzo. Bah, il est handicapé. Ma sœur m'a annoncé qu'Enzo était né avec un handicap. Je me demande ce qu'on a fait ou pas fait pour que ça nous arrive à nous. Je m'en veux d'être ignorant face au handicap. Comment je vais assumer ça et aider Enzo? Je pense à Chamallow et ce qu'on lui fait endurer. Comment il fait pour rien dire? Pourquoi il ne dit rien à chaque moquerie? Je ne veux pas que ça arrive à Enzo. Faut que je sois là pour lui. Faut que je l'aime tel qu'il est. Je me sens coupable. Mais tout ça, c'est de la faute à qui? Personne. Chamallow, comme Enzo, ne sont pas responsables de leur handicap. Mon regard vient de changer. Et j'espère pour Enzo que les mentalités changeront. Elles aussi. Que plein mal ta tête. Ouais, on est trop bêtes avec David. Tu vas tous les matins, là? Ben, au travail. Ah, tu travailles? C'est pas trop... Bah, je veux dire, c'est pas trop fatigant. Non, mais bien mon travail. Pourquoi il me témoigne? Avec David, on est trop ignorants, on fait n'importe quoi, on est trop bêtes. Faut pas écouter ce qu'on te dit. Hein. Mais pour... Si t'avais le choix de pas avoir ton handicap. Imagine, vous t'es tapé, peut-être moi. Ouais, j'avoue, question bête. Tiens ta casquette. Maintenant. Attends. Attendez. Ah, des chamallows? Oui. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi chamallow. Merci Léo. Ah, mais papa, tu connais mon prénom. Ouais, t'inquiète. En tout cas, franchement, on est désolé. Hein. Franchement, sérieux. On est désolé, Léo. C'est pas grave. Maintenant. Au revoir. À bientôt. Ciao. T'as donné quoi, là? C'est des bonbons? Des chamallows. Mange les pas, mec. Tu es handicapé, tu veux leur ressembler ou quoi? Mange les pas. Vas-y, c'est pas contagieux. David, j'ai un truc à te dire. Je t'entends. Ouais, je sais, ça, c'est cool, tu me l'as dit. Ouais, c'est cool, mais Enzo, mon neveu, il est handicapé. Il est handicapé, t'es sérieux? C'est grave. Du genre la même tête que le chamallow. Faut qu'on arrête avec ça. Je suis sérieux. C'est Léo déjà et pas chamallow. Et oui, c'est un handicapé, mais c'est pas une raison pour se foutre de lui, tu vois. Vas-y, c'est pas méchant ce que je dis aussi. Ouais, mais imagine, plus tard, mon neveu, ça va être pareil. Ouais, chamallow, il est cool, il dit rien. Mais ton neveu, c'est pas pareil. En fait, c'est quoi l'handicap à chamallow? On va lui demander. Et du coup, maintenant, tu veux l'acheter aussi des chamallows, Enzo? Pareil. Qu'il soit physique, mental ou psychique, le handicap limite la personne qui le porte dans son accès à notre société. La peur de l'autre ne doit pas amener au rejet, à l'ignorance, à la haine, à la moquerie. Changer notre regard, changer notre comportement. L'important est de se rappeler que nous sommes tous citoyens, égaux en droits et devoirs devant nos différences. Vous... Changez vos regards. Ouais.